Et bonjour les amis, c'est OBX Solo. On attaque l'épisode 1 de Hardcore Chrono. Allez, c'est parti. Play Selected World. On va lancer notre timer et c'est parti pour l'aventure. Alors voilà, je laisse générer un petit peu tout ça. Ok. Allez, c'est parti. Chrono, c'est parti. Donc le time reset. Je vais commencer à couper du bois habituellement. Tout simplement. Donc les premiers épisodes. Les premiers épisodes, pardon. Là je peux encore à peu près voir combien de temps va durer l'épisode. Mais de toute façon sur les phases inintéressantes, c'est-à-dire le minage, tout ça, je pense faire des accélérés. Donc après, au bout d'un moment, sur les épisodes, je ne saurais plus trop où j'en suis. Donc, il n'y aura peut-être pas de bonjour entre les épisodes. C'est vraiment un épisode suivi. Je ferai des coupures, je ne sais pas trop comment. On va regarder un petit peu ça. Enfin, je verrai bien comment ça va se passer. Allez, on commence à ça. On va faire du bois tout de suite. Hop. On va faire ça tout de suite. Hop, oh, je lag en plus. Alors j'ai voulu attaquer cette série parce qu'en fait en ce moment FTB rame à mort, mais à mort. Je pense que j'ai un souci avec mon PC. J'attends des pièces impatiemment. Parce que là ça devient jouable. Même là, moi je vois mon nombre de FPS avec Fraps, je suis à 17 FPS. J'ai peur que ça me pose des soucis dans le jeu. On va bien voir. J'espère que non. Allez, on va commencer à se stuffer un petit peu en pierre. C'est pas la peine de faire des outils en bois pour l'instant. Allez, de toute façon, je vais attaquer. Tout de suite, je vais d'abord aller chercher un peu de nourriture quand même. Et puis voilà. Allez, hop, on va pas insister là. Je vais commencer à me faire un peu tous mes outils en pierre. Voilà. Hop, ouais, je lag déjà. Je le sens que je lag. C'est pas intéressant. Alors, pioche, on va peut-être en faire deux. Ok. Une hache, une épée, et voilà. Pour le reste, on verra. Allez, un peu plus de bois quand même. Ce sera pas inintéressant. Getting wood, il me l'a déjà dit, le getting wood, non? J'ai bien déjà récupéré du bois. Il va me le dire à chaque fois que je prends du bois. Allez, on va s'en prendre un peu plus. Je vois quelques cochons là-bas, ça peut être intéressant. Ok, allez, un dernier, histoire d'avoir un petit peu d'avance de bois. Ok, alors du cochon, je vois aussi, tiens, des moutons. Alors on peut dormir hein, dans ce jeu, c'est même sûrement conseillé quand vous voulez aller dehors et que vous voulez faire passer du temps rapidement. Ça peut être intéressant. Pourquoi il est bon? Alors. Ok. Peut-être baisser encore un peu le son. On va ramasser tout de suite tout ce qu'il nous faut. Voilà, mais j'ai des lags, c'est dingue. Je vais essayer de prendre toujours le même bois aussi pour éviter de faire des doublons d'inventaire. D'ailleurs, c'est peut-être pas ce que j'aurais dû prendre. J'aurais dû prendre les chênes qui auraient pu me donner peut-être des pommes.
parce qu'on peut quand même, on pourrait quand même faire des pommes d'or, ça pourrait être intéressant. Enfin, j'en suis pas là encore. Tiens, déjà un zombie, super. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là en plein jour? Allez, hop, 17, c'est déjà pas mal. Eux, pour l'instant, je veux pas les récupérer. Et puis, bah voilà, je vais commencer mon premier trou, je dirais. Pardon. Alors, peut-être ellipse. Ça sera pas très intéressant. Et puis, dès que je trouve quelque chose d'intéressant, je remets en route. Mais là, c'est vrai que bon, bah, ça va pas être super intéressant. Allez, ellipse. Ok, belle boulette, j'ai commencé à faire une erreur de débutant, je suis tombé, bon ça va, pas trop de mal, je suis tombé dans l'eau, je vais me faire un petit endroit par là, ouais, ça va pas être terrible, ok, j'y vois absolument rien, là, alors bah, je vais commencer, c'est bête, j'ai laissé mon... truc là-haut, bon tant pis, on va en crafter un autre. Ok. Tac. Histoire que vous y voyez quelque chose, parce que moi non plus je vois pas grand-chose. On va faire un petit four. J'ai pas trouvé un seul charbon, c'est assez dommage. Quoique, allez, deux fours. Ok. Ça, je les pose. J'ai de la place par là, je vais mettre les fours. Par là. Ok. Alors, du bois. De toute façon, on va brûler celui-ci. Histoire de commencer à me faire cuire la viande. Je vais peut-être plus refermer là. D'où est-ce que je viens? Là, donc j'ai loupé mon... Ouais, j'ai fait un trou idiot. Même là, ça descend. Déplacer du coup ça ici, voilà, clac, allez, du charbon de bois. Ah oui, c'est vrai que c'est le nouveau design du charbon de bois. C'est pas mal d'ailleurs qu'ils aient changé, comme ça on vérifie, on peut voir dans notre inventaire pourquoi des fois on n'a pas toujours ce qu'il nous faut. Alors, je suis en 24. Je suis encore un peu haut pour trouver ce qu'il me faut. Allez, on va arrêter ça. Je vais faire cuire un peu mon fer. On va ouvrir un peu là, voir ce qui s'y passe. Ouais. Descendre va pas être facile. On va descendre par là sur le côté. Comme ça. J'aime pas trop ces grandes failles là pour commencer. C'est pas très intéressant là. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Là, je peux pas descendre par là. Ben, on fera une petite descente
comme ça, tranquille. Je vais pas la faire tout de suite, pour être embêté par les mobs. Mince, j'ai déjà plus de charbon. Voilà, surtout la nourriture que je voulais. On va refaire cuire un peu de charcoal. Mais quoi que si, je l'ai, je suis bête. Allez, allez. Oui, il me faudra aussi des torches. Même deux fours, ça me paraît trop juste. Bon, en plus la nuit a dû tomber, donc oui, 11 minutes de jeu. La nuit est tombée. J'aurais dû me faire un max de torches. On va commencer avec les 8 à se faire... qu'est-ce que je fais, chemin? Ouais, je préfère peut-être faire une pioche en fer pour l'instant. Je n'ai pas trouvé beaucoup de charbon, de fer, ça m'embête un petit peu. Allez, on va brûler tout ce truc. Je vais juste me récupérer un petit peu, histoire de faire quelques torches de plus. Hop, c'est comme ça. On va en faire un peu plus. Voilà. Bon, de toute façon, je les ferai pas tout de suite, mais bon. Allez, ça, j'ai pas besoin de manger, ça va. Fais-moi du charbon, je vais me faire tout de suite quelques petites torches pour éclairer mon entrée et ma sortie, quoi. Clac. Alors, on va éclairer par là. Là-bas, ouais, il y a du charbon là. Le charbon va m'intéresser. Ça évitera que je fasse du charcoal. Allez, ça sera pas mal. À partir de l'1,60, les archers deviennent pénibles. Si je me souviens bien. Les zombies aussi viennent de beaucoup plus loin. Allez, c'est bon. Voilà. Ouf, que c'était le dernier, allez. Non. Oui, allez, je vais garder un petit peu de bois sur moi. 6 me suffiront. Je vais faire le dernier pour faire quelques torches d'avance. Allez, ok. Tac. On passe ça ici. Ok. Du coup, je vais quand même me faire une pioche en fer si je trouvais des choses un peu plus intéressantes. Allez, voilà, on est parti. Donc pas de protection, là je suis un peu mal, j'ai pas de protection. Allez, on va bien voir. Tac. Je regarde bien sur les hauteurs quand même si je vois rien de... Ok, là-bas ça remonte aussi, ça a l'air de remonter. Pas l'air d'y avoir grand chose d'intéressant, je suis un peu encore trop haut. Allez, ben vous savez pas, je crois que encore ellipse, je vais descendre plutôt par là, prendre ce charbon là. Comme ça je pourrais finir mes torches avec le charcoal, conserver le charbon après, j'aurai plus besoin de charcoal. Ah mais il est là-bas le zombie. Je le voyais pas. Et on va continuer à descendre à la couche 11. J'espère qu'il n'y a pas eu de modification depuis la snapshot. Que c'est toujours à peu près sur les couches là où on est encore au-dessus de la lave. Et qu'on peut quand même arriver à trouver du diamant. Je vais utiliser d'abord mes pioches en pierre. Utiliser le moins possible ma... pioche en fer. Allez, voilà, ça c'est bon. Allez, je descends un peu plus bas. Je vais commencer peut-être à torcher un petit peu mes endroits. Et puis bah, oh, j'entends de la lave. Je dois pas être très loin de la lave. Hop, je vais mettre un petit point F3, 15, 13, 12. Et voilà, 11, bah, petite ellipse encore.
Ok les amis, bon bah j'ai découvert, comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, un petit endroit. Ici, on va commencer à refaire cuire un petit peu notre iron. Je pense que je vais me faire tout de suite. Je vois qu'il y a de l'eau ici. Je vais essayer de récupérer cette flotte avec un seau, histoire d'être un peu plus tranquille avec la lave. Bah, j'aurais pu le faire d'ailleurs, je suis bête. Hop, je récupère ça, je vais le poser là. Il me manque, je pense, encore quelques irons pour faire une complète, une armure complète. Alors, pendant ce temps, je vais chercher de l'eau. Pas être loin, ça me permettra d'aller explorer un peu plus loin là-bas. Ok, merci, salut. Là, quand on aura besoin d'obsidienne, on sait qu'on en a là. Puis de toute façon, je vais pouvoir en faire plus. Allez, qu'est-ce que je peux commencer à faire? Combien j'en ai encore? 13, 20. Il m'en faudrait quelques-uns de plus pour faire une armure complète. Tac. On va s'équiper au fur et à mesure. Je peux aller explorer un peu plus le temps que ça se fasse, si des fois je trouve un peu plus de fer dans le secteur. Change un peu mon staff, que je commence à ne plus savoir trop dans quel sens il est. Allez, quelques fers de plus, s'il vous plaît. Assez ouverte, j'espère trouver rapidement du diamant. Du diamant, pas de diamant à l'horizon. Pas de diamant. Ah si, vous voyez, du diamant là. Allez, on va les chercher. J'espère qu'il y en a quelques-uns. Il faudra au minimum 5. Oups, bien vu. Bien vu. Bon, on récupère quand même le diamant tout seul. Je me suis fait avoir avec ça. Bah, de toute façon, je récupère aussi la redstone, enfin la redstone je la récupère pas, je la casse juste pour me faire un petit peu d'XP. L'XP sera importante après plus tard pour enchanter un petit peu tout ça. Le charbon je vais quand même continuer à en prendre un petit peu parce que j'en aurai toujours besoin. Pareil le lapis aussi, même si je vais le laisser tomber au fur et à mesure, je vais le récupérer, il fait d'XP. Et puis voilà. Allez, il me faudrait encore un peu de fer, s'il vous plaît, pour avoir l'armure complète. Parce que de toute façon, j'ai pas la prétention encore d'avoir une armure en diamant. Avec un pauvre diamant. Qu'est-ce qu'il y a par là? On va aller voir par là. Il n'y a rien de spécial. Ok. Hop, avec celle-ci, ça ira mieux. Je vais pas te faire de système de redstone pour l'instant. Alors 13. Ah mais du coup je l'ai même pas récupéré l'autre. Enfin bref. Tant pis. Bon je peux rien faire de spécial. On va faire le chestplate. Et un casque. Il m'en manquera 4 pour faire les bottes. Voilà. Pardon, déjà un peu plus protégé.
Bon, bah, je vais continuer à miner, ou alors je vais aller explorer un peu cette partie, je suis pas encore allé. Ça n'a pas l'air d'aller bien loin, et puis de toute façon je vais creuser, hein. Je vais continuer à creuser plus loin là-bas, tout droit, on va pas s'embêter. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait le tour, de toute façon c'était le tour de là-bas, ouais. Allez, je vais creuser là. Et ben encore ellipse, je vais terminer ma pioche comme ça. Ellipse. Les amis, voilà, découvert une autre petite grotte. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Je vais couper l'eau. Ok. Tac. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant par là? Il me semble que j'ai entendu des araignées. Ouais, du diamant. Super. Ça c'est intéressant. Allez, du diams. Ok, on a au moins 4. Ça m'en fera 5. Du coup, je peux récupérer mon eau. Là, on va mettre un peu de lumière. Tac. Tac. Et allez, creusons tout ça. Pas vilain, déjà ça m'en fera 6. De quoi faire une table d'enchant. Faudra que je remonte à la surface. Je vais tout de suite me prendre. Je pense. Je vais tout de suite me faire une pioche et récupérer l'obsidienne. Voilà. Donc ça me fait 6 diams. Allez, du coup, est-ce que je retourne là-bas? Oui, allez, je vais retourner à mon endroit, de toute façon, enfin, à mon entrée, je vais remonter. Ça doit être de nouveau la nuit, je pense, parce que je suis du coup à 29 minutes. Donc, comme les durées sont de 10 minutes, on doit attaquer juste de nouveau la nuit. Donc, je vais retourner tranquillement là où j'étais. Peut-être manger un petit peu. Je vais peut-être attendre encore un poil. Voilà, mon entrée, je vérifie quand même que ça va pas spawner. Non. J'ai pas retrouvé de fer par contre, hein. C'est un petit peu problématique.